Salut à tous, c'est Megiddo pour Fatal Fury 2. Allez, on commence tout de suite. Bon, on a le choix entre facile, normal, hard ou version arcade. On va reprendre en facile. Déjà qu'on a vu ce que ça a donné pour le 1, autant y rester. Bon, petite explication. A, coup de poing faible. B, coup de pied faible. C, coup de poing fort. Et D, coup de pied fort. Bon, bah c'est pour se baisser. O pour sauter. A et B pour partir dans le fond de l'écran. Et C et D pour éjecter l'adversaire. Et c'est parti. On peut voir tout de suite que le nombre de personnages a quasiment triplé. On en retrouve toujours Terry Bogard, Andy et Joe. Mais les petits nouveaux sont Big Beer. C'était Raiden dans le premier épisode. On l'a pas vu dans la vidéo, mais peut-être que dans la prochaine version on le verra. Chang, Jubei, le maître de Andy et de Mei, Kim, le coréen, et Mei, la petite amie de Andy. Bon, je prends Joe et je vais faire un petit combat contre Mei. Bon, comme vous pouvez le voir, la qualité graphique a vachement augmenté par rapport au premier épisode. Les personnages sont un peu plus fluides et plus beaux graphiquement. Bon, pour l'histoire du jeu, cela se déroule un an après le premier. Guide est officiellement décédé. Enfin, pour le moment. Krauser fait son apparition. C'est le demi-frère de Guide et veut prendre sa place à la tête de la mafia de Stanton. Et pour cela, il organise un nouveau tournoi pour se venger de Terry, l'assassin supposé de son frère. A l'origine, Guide avait organisé le premier King of Fighters pour trouver quelqu'un capable de battre Krauser. Et c'est là, dans cet épisode, qu'on va voir qui en sera capable. Viens là, toi. Hop. On peut voir que tout. Bon. Si on se demande ce que sont devenus les autres personnages du premier épisode, on le voit un peu tout au long du jeu, grâce à des petites cinématiques. Comme par exemple, Lord of Blood, le garde du corps de Krauser, affronter plusieurs personnages et les battre. Quant à Richard Myers, celui qui faisait la capoeira dans le premier, est redevenu barman, comme vous pouvez voir justement là, et ne s'est pas pu. Les nouveaux boss sont Alex Hawk, un boxeur digne de King Hippo de Punch-Out, et Lawrence Blood, un matador garde du corps de Krauser. Billy Kane est toujours là en boss, mais beaucoup plus faible qu'avant. Il a d'ailleurs changé de look et a abandonné sa salopette pour un t-shirt au logo du drapeau anglais qu'il ne portera que dans cet épisode et dans le spécial. Alors je vais attendre de me faire battre par moi-même. Ah, peut-être pas. A noter que c'est depuis cet épisode, aïe aïe, que l'on peut faire des furies, des super attaques uniquement déclenchables quand notre barre clignote. Mais bon, pour ça il faut déjà essayer de placer. Et connaître les mouvements surtout. Et comme vous pouvez le voir là, on peut toujours passer dans l'écran du fond. Aïe aïe, c'est pas bon pour moi ça, aïe aïe, mais lâche-moi. Aïe. Certaines attaques des persos d'origine ont un peu changé, ce qui est un peu énervant quand on est habitué ou un comme moi. Bon bah ça fait rien, on choisira notre personnage.
Allez, je vais prendre un petit nouveau. Vous pouvez voir que Meg est en gris comme a été battu. Je vais prendre... Allez, Kim. Notez qu'il existe une petite technique pour affronter directement les boss. Il suffit simplement de brancher une deuxième manette et faire à chaque fois un combat de joueurs contre tous les personnages. Ainsi, il ne restera plus que les 4 boss à affronter. Mais bien sûr, je ne vais pas la faire, ça. C'est vraiment quand on est feignant. Le pire est dans le spécial. Ouais, avec cette méthode, on a juste à affronter Guise et Crozer. Allez, allez, encore battu. Hakim, c'est pas vraiment le personnage que je maîtrise. Aïe, 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 je me fais massacrer. Bon, quoi dire d'autre? J'ai à peu près tout dit sur le jeu. Je vais essayer de me battre encore un peu. Au moins essayer de battre Joe. D'ailleurs, c'est à partir de cet épisode que les personnages principaux, c'est-à-dire Andy, Terry et Joe, ont leur propre décor. Dans le premier, ils n'en avaient pas. Bon, on va prendre un autre nouveau. Allez, on va tenter Big Beer. Alors là, je connais pas du tout ses coups. Big Beer qui a enfin fait son apparition dans les King of Fighters, dans le dernier qui est sorti, à savoir le 12. C'est d'ailleurs, il a repris son nom d'origine, à savoir Raiden. Ah ben, il est plus fort que je croyais. À l'origine, Big Beer changea de nom pour le simple fait que Midway avait bloqué les droits de Raiden pour Mortal Kombat. Mais depuis, il semble que ce soit débloqué. Enfin, ça, c'est une chose à vérifier. Et voilà, gagné. Première fois que je joue avec ce perso, première fois que je gagne. Ouais. On continue. Qui sera mon prochain adversaire? Ah, le bon vieux Jubei qui remplace Tongfuru. Tongfuru qui était quand même anti dans le premier. Aïe aïe. Parce que je vois, il est aussi doué que l'autre. On remarquera que ce décor a tendance à ramer un peu à cause de ce grand nombre de sprites. Mais c'est incroyable, je vais vous le taper et ça ne fait rien. Et c'est qu'il va me battre en plus. Et voilà, j'ai perdu. Allez, viens là mon vieux. Je vais t'envoyer l'autre piste. Ah. Allez, en ceci. Et voilà, réussi à gagner. Oh, c'était... te dire. Big Beer est en fait inspiré d'un catcheur de l'époque dont j'ai oublié le nom. Ah désolé, moi le seul cacheur que je connais c'est le Kogan. Que voulez-vous? Le seul sport que je peux faire, moi c'est le baseball. D'ailleurs, un cache pour moi c'est pas vraiment un sport, mais bon. Aïe aïe. Je devrais te raconter ma vie et me battre. Waouh. Eh ben, je suis mort. Oui oui oui. Je sens que... Il me ferait pas se regretter Tengfuru. Bon ben je vais prendre, allez, un petit Terry pour le dernier combat.
parce que si je perds, j'arrête, j'aurais plus de continu. Elle arrive à anticiper, mais... Burning Knuckle. Aïe, 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 ça fait mal. Aïe, mais ça... Je préfère quand même largement le spécial, qui compte quand même beaucoup plus de personnages, et la possibilité de jouer avec les boss. Aïe, aïe, et voilà, j'ai perdu. Bon ben, je crois que je vais arrêter là. Allez, viens le vieux. Allez, voilà, c'est encore moi qui prends. Ouais. Comme vous pouvez le voir, les attaques ont tendance à sortir beaucoup plus facilement que dans le premier. Si, on laisse quand même les sortir. Mais, je suis quasiment mort. Allez, allez. J'ai raté, je voulais faire une furie. J'ai pas le temps. Bon ben je vais arrêter là. Allez. À plus tout le monde. Et à bientôt pour Fatal Fury spécial.